Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Let's Play sur Surviving Mars. On continue notre partie tout tranquillement. Ici, on avait lancé donc un dôme qui était destiné vraiment... Oups, fais une bêtise. Un dôme qui était destiné essentiellement à tout ce qui était usinage. On a lancé d'ailleurs ici notre usine à polymère. Là, on va lancer notre usine pièces détachées. Et là, les appartements, donc ça va vraiment être de la main d'œuvre. On voit qu'il y a encore des trucs qui doivent être encore en réflexion, mais ça avance tout doucement. Voilà. Du coup, béton, il me faut vraiment du polymère, quoi. C'est ça, je pense que c'est vraiment le truc qui me manque le plus, j'ai plus de polymère du tout. Donc là, c'est pour ça que c'était urgent de faire ça. Alors, si ça avance pas des masses non plus, un truc. Il manque, bah oui, c'est des polymères qui manquent en fait. Logiquement, logique que ça fonctionne pas du coup. On va accélérer jusqu'à quand le vaisseau arrive avec tout le stock de polymères. On va le faire atterrir ici au mieux. Atterrir là. Et voilà, le stock arrive. On va pouvoir avancer dans nos constructions. C'est parti, au boulot les drones. Faire venir défuser le personnel du coup. Alors, transport 2366 sur les colons avec mes trucs, donc on va pas trop se casser la tête. Par contre il me faut des ingénieurs maintenant. Je pense que c'est ça qu'il faut. Alors, je vais quand même vérifier. Fermer. Qu'est-ce qu'il me faut pour travailler là-dedans? Mais oubliez les ingénieurs, ok, c'est bien ça. Et ici, officier des ingénieurs. Donc il faut vraiment la masse d'ingénieurs là maintenant. Non. Peut-être en mauvais certain. Là, je peux le remettre. Là j'ai largement assez au fait. Perd chaque jour du confort lorsqu'il habite dans un dôme dont la population est supérieure à 30. Pas génial ça. Double la perte de santé mentale en cas de catastrophe. On va essayer comme ça, on va voir ce qu'on trouve. On lance tous les ingénieurs. Ça, c'est le plus important. Hop, hop, hop. On fait pas des masses. On en fait 4. C'est pas génial, hein. Le reste, on va prendre des trucs sans spécialisation. Et même comme ça, c'est pas génial, on va prendre un agent, et alors on va prendre encore un géologue. Et on peut le lancer. Funding received. Du coup, ça avance là. Deux. Pipe leak reported. Now
Maintenant que la phase critique de la mission est derrière nous, le moment nous paraît important de nous concentrer sur les objectifs d'évaluation de notre mission. Vous n'avez que 55 sols pour accomplir votre objectif d'évaluation, avoir développé 40 technologies au sol 100. Pendant que j'ai déjà développé 30. Non, même pas loin, hein. Ça va. Ce serait pas mal du coup de penser à faire des scientifiques. Je vais faire venir deux fois des habitants parce que je crois que j'ai assez pour... d'habitation résidentielle, clairement, en fait. Je préfère venir des habitants avec des géologues en plus. Plus grand monde là. Donc, un géologue. Ça devient dur de prendre des gens. Parce que là, je vais devoir taper dans les défauts maintenant. 4. Pour des botanistes, un docteur, et on va prendre des scientifiques alors. Trois places qui restent. On prend un ingénieur, je l'avais pas vu celui-là. On va combler avec des scientifiques, voilà. Et on peut lancer. Et par ça elle est vide, on va la renvoyer. Scan ça avance, j'ai rien de... pas toujours pas d'anomalie. On va continuer comme ça. Hein. Hop. Voilà. Du personnel maintenant, beaucoup de personnel. Mes recherches, j'avais un truc qui permettait d'avoir plus de gens par fusée, il me semble. T'es où? C'est ça. Ouais, ça peut être bien, vraiment. On va peut-être virer la dette aérodynamique. C'est quand même vachement utile ces trucs là. Ça c'est en route, du coup j'avais lancé. Ça peut être bien. Pas moins utile. Voilà, on va faire comme ça. Il va falloir faire comme ça. Ou alors peut-être. Non, c'est bien comme ça. Petite sous-traitance, on va pas cracher dessus la rigueur. Oh non, pas besoin. Par contre, je vais prévoir, du coup, ici, j'ai encore un peu de place, un truc pour les recherches. C'était où ça encore? Labo de recherche. Du béton et électronique, ça va. Secteur scanned. Et du béton en plus, et rien de plus, c'est moche. Cable fault reported. Bon, ça s'accélère au niveau des de la population. Petite sauvegarde. New colonists have arrived. Alors, voilà, ça bosse un peu partout maintenant. Ici, ça bosse. Voilà, on produit
des polymères. Bon, évidemment, on est encore très loin de la production maximum qu'on peut atteindre, mais ça commence tout doucement. Pipe leak reported. Alors ici, tout va bien. Ah, j'ai deux enfants maintenant. Moi, que ce soit les profs. Ouais, ça doit être des profs alors. Funding received. Mais j'en ai manqué. Il faudrait quoi? Évaluation, ça viendra. Scan de tous les secteurs effectués, on y a dans les loin. Peut-être lancer des antennes alors. 100 colons, 500 colons, 1000 colons. C'est un mégadome, c'est une merveille. Et B. Peut-être lancer un truc alors, des antennes là. Ça ne coûte rien. Radiateur, pas hyper utile. You're listening to Mars official radio with Panamascan. Oh, c'est vraiment bon pauvre ce côté-là. Radio host choice with the best radio voice. Pas beaucoup de relief non plus, donc pas vraiment de difficulté avec les. Cable fault reported. Mon autre truc qui est là, ok. On va le faire atterrir par là alors. Terre ici. Les autres. Ça sont trois colons. Ça monte, ça monte. New colonists have arrived. Tiens toi encore pour le moment. Pipe leak reported. C'est de place ailleurs hein. Sans emploi. Cherchant du travail, tu rigoles ou quoi? Qui est sans emploi? Plein de boulot pour tout le monde moi. Pas pour les trouver. Ils sont pas là. Tous mes chômeurs. Pourquoi tu me le mets à elle? Je comprends pas. Je sais pas pourquoi elle est dans ma liste. Si jamais quelqu'un a une idée pourquoi elle est là. Non, je trouve pas mes chômeurs. Oh. Confort moyen et. Sector scanned. Anomaly found. Améliorer le confort, ok, bon, on va améliorer le confort du coup. J'ai peut-être un pot de sécurité pour être pas mal, mais ça sera plutôt pour l'autre côté, je pense. Truc, mais dans ma tête, je pouvais de toute façon enchaîner sur ces deux-là. Voilà.
pige pas trop. Oh, mes chômeurs. Ah, voilà, c'est le chercher. T'as affecté un boulot, mec. C'est quoi, toi? Un scientifique. Écoute, travaille, hein. Cable fault reported. Pipe leak reported. Tu vas où là? Tu vas travailler, t'as trouvé du boulot là-bas? Ben vas-y alors. Un géologue. I'm Penham, host of Mars Official Radio. We just received a letter from Magdalena, who works as a psychologist. Dear Penham, even though I like your show and your interesting talks, I sometimes find the way you express your opinions a little bit blunt. Everything can't be resolved through facts. There are other aspects to take into consideration, like emotions, innate drives, and values. However, I do like the music you play and your informative commentary. Magdalena, I understand you, but I find it hard to come up with a suitable response. I will think it over and get back to you with an answer. I'll think better with some music. Enfin, mais j'ai une pénurie de nourriture, tu rigoles? Ah, mince. J'arrive pas à fournir de nourriture là-bas. Bizarre qu'ils sont censés être affamés alors que je suis réimporté avec les drones. Peut-être mettre juste un truc, un dépôt de nourriture dans le coin alors. Ah, je sais peut-être. Il leur manque un truc pour manger. Pipe leak reported. C'est pour ça qu'ils avaient faim. Du coup, en général, pensez-vous, l'énergie, il serait temps de passer au truc atomique là. J'ai pas fini le truc. Presque. Voilà, on va juste terminer la recherche là, et du coup on va en rester là pour cet épisode. La chose avance plutôt bien. Alors, on est encore très loin évidemment des mille colons, mais ça avance. Research complete. Voilà, c'est ce que je voulais. On va juste lancer du coup la production de l'accumulateur. On va mettre ici.
Et j'ai encore des générateurs Stirling, donc autant qu'ils servent. Ah mais j'essaie de les produire tout seul en fait, c'est pour ça que j'en ai. Une éolienne aussi, tant qu'on y est. Voilà, on a le labo qui bosse maintenant, ça c'est une bonne chose. Là-bas, ici, voilà. Donc ça produit un petit peu, c'est pas mal. Ici, t'as pas de stock encore, toi non plus, toi t'as déjà un peu, toi t'en as 5, ok. Toi à la rigueur, je vais pouvoir te renvoyer. C'est vide, ok. Oh, j'ai des trucs ici. Et l'autre, il est full, on peut faire les deux en même temps. Parfait, ça. Bâtiment non fonctionnel, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça c'est normal. Pourquoi? Je manque de nourriture. Et ça, c'est quoi? Pas la nourriture, peut-être? Fiche quoi mes drones là? Charge des drones élevés. Faune. Pardon. Pensez à l'usine à drone tout doucement. Et donc on va, j'avais dit, on va en rester là pour cet épisode dès que je vais lancer tout. Pardon, j'étais un petit peu vite. J'avais oublié que sur cette fonction-ci, je n'ai pas de truc. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve du coup demain, même heure, même endroit. Vous étiez en compagnie de MacDarch. À demain, ciao.